Bonjour et bienvenue dans ESO, l'émission qui parle d'ésotérisme. Et aujourd'hui, nous allons parler de Mancie complètement trash et dégueulasse. Ne vous inquiétez pas, je ne vais rien de montrer de trop crade. Kafalayo Mancie. Divination à l'aide d'un crâne. Les Germains utilisaient un crâne d'âne, mais on pouvait aussi utiliser le crâne d'un cheval, d'un loup ou d'une chèvre. Les Celtes utilisaient même le crâne de leurs ennemis tués au combat. On utilisait cette mancie pour retrouver un objet perdu ou un voleur. Pour cela, lors d'une cérémonie, on versait des charbons ardents sur le crâne tout en récitant le nom des potentiels coupables. Lorsque les mâchoires se rapprochaient avec un craquement ou que les dents faisaient un bruit, cela indiquait qui était le coupable. Colin de Plancy, dans son dictionnaire infernal, nous dit lui-même que ce serait le diable qui viendrait répondre à nos questions. Une pratique similaire appelée la craninomancie utilisait un crâne. On mettait à bouillir la tête et on examinait le crâne. Hématomancie, divination par le sang des victimes de sacrifices, pratiquée encore au début de notre ère par les Chaldéens et les Grecs. Cette pratique était utilisée pour connaître l'issue d'une campagne militaire. On observait le dessin et les figures que faisait le sang d'un prisonnier que l'on égorgeait au-dessus d'un chaudron. Cette pratique fut interdite en 391 par un chrétien. Mais on retrouve encore cette pratique en 717 dans un petit village de Turquie lors d'un siège par les Sarrasins. Un Sarrasin ! Une femme enceinte était éventrée, son bébé éventré, pour que des mecs puissent pratiquer cette divination. Sympa ! Ménomancie. Aussi dégueulasse que ça puisse paraître, il existe une pratique de divination qui s'effectue avec vos menstruations, chères demoiselles. Et oui, le jour de leur apparition signifie quelque chose. Le jour de la semaine, le jour du mois, si elles sont en avance ou en retard. Pour les jours de la semaine, le lundi signifie une nouvelle connaissance. Le mardi, que vous aurez un cadeau. Le mercredi, que vous aurez une inquiétude. Le jeudi, on vous fera une déclaration sentimentale. Amour, amitié, etc. Le vendredi, vous risquez d'être triste un moment. Mais il ne faut pas, c'est le week-end! Le samedi, vous trouverez une solution à un problème, et le dimanche, il vous arrivera quelque chose lié à l'amitié. Pour les jours du mois, bon, on va pas tous se les faire, mais voici un exemple. Si vous avez vos règles le 18, ça veut dire que vous êtes désiré en ce moment. Et pour si vous avez du retard ou de l'avance sur votre cycle, un jour d'avance signifie que vous êtes heureuse, et si vous avez 3 jours de retard, ça signifie que quelqu'un vous aime plus que tout. Trop mignon. Anthropomancie. Divination par l'inspection du mouvement des entrailles d'un homme ou d'une femme éventrée, d'une jeune vierge ou d'un enfant étranglé par sacrifice. L'une des personnes les plus connues pour cette pratique était l'empereur Flavius Claudius Julianus, appelé aussi Julien l'Apostat, qui sacrifia d'innombrables gamins pour cette sombre pratique. Amniomancie, divination par l'amniose. On examine la membrane amniotique, le liquide amniotique, la poche amniotique, qui enveloppe le visage ou la tête de certains nouveau-nés à leur naissance. Il est dit que si un enfant naissait avec une coiffe céphalique sur la tête, appelée aussi crépine, c'était le signe d'un avenir heureux et de bonne fortune. Une légende populaire de certaines régions de France nous dit que si un enfant naît ainsi, alors il aura vocation d'une vie monastique. On utilisait même la crépine comme talisman et on en faisait le commerce à Rome et en Angleterre. Le porter favorisait d'heureux résultats en affaires. Les Benedanti, un culte de la fertilité de la terre, utilisaient la crépine pour voir le futur d'un nouveau-né. D'ailleurs, on pouvait rentrer dans ce culte seulement si on était né avec une crépine sur la tête. Palmoscopie. La palmoscopie permet de lire l'avenir en fonction des palpitations que fait un corps sacrifié en train de crever. Bon, c'est tout pour la divination avec les sacrifices humains, maintenant on va passer aux sacrifices d'animaux. Aruspicine. L'aruspicine est une divination pratiquée par les aruspices, des prêtres devins de l'Antiquité. Elle se divise en deux parties, l'hépatoscopie, examen du foie, et l'extispicine, l'examen des entrailles. L'hépatoscopie nous vient des Babyloniens. On ne prenait en compte que le foie, qui était considéré comme un organe noble, car siège des émotions et des sentiments. Ils utilisaient le foie d'un mouton sacrifié qu'ils donnaient aux prêtres devins. S'il y avait une anomalie sur le foie, on pouvait savoir sa signification,
et en fonction de sa localisation, de quelle divinité nous venait le présage et sa nature. L'extis piscine nous vient des Étrusques, mais a surtout été utilisée par les Romains. Cette discipline consistait à examiner les entrailles d'un animal sacrifié, souvent un bœuf ou un mouton. Les aruspices prédisent de plusieurs façons. Inspection des victimes vivantes, de l'état de leurs entrailles après avoir été ouvertes, et par la flamme qui s'élève des organes ou des entrailles brûlées. Si le sacrifice se débattait pour venir sur l'autel ou s'il réussissait à s'enfuir, alors c'était un mauvais présage. Petit exemple de signe divinatoire que l'on trouve dans cette pratique. Si la vésicule biliaire est enfermée dans la graisse, alors il y aura une température froide. Il arrivait même que l'on sacrifie une autre bête pour être sûr de ne pas s'être trompé. Cette pratique fut interdite en même temps que l'hématomancie. On trouve d'autres mancies qui utilisent les entrailles d'animaux morts. La splanchnomancie, la divination par les entrailles ou le foie d'une chèvre sacrifiée. L'ichthyomancie, la divination par la tête ou les entrailles d'un poisson. Ou encore la spalomancie, la divination par les entrailles d'une taupe. Et celle-là, c'est un Français qui l'a inventée. On trouve également une divination à l'aide d'un poumon de lama blanc sacrifié, la bronchiomancie, utilisée par les Incas. Les prêtres Incas gonflaient les poumons en soufflant dans la trachée disséquée. Et ensuite, ils observaient la forme des veines, ce qui leur indiquait quoi faire en politique et dans les actions militaires. Et pour en finir avec les cadavres d'animaux, tout droit venus du Japon, la futomanie, une divination ancestrale qui nous indique des événements à venir en fonction des craquelures sur une omoplate de serre chauffée sur du bois. Et pour finir, dans le crade, la divination avec la merde. Pourquoi je fais ça, moi? Scatomancie, divination par l'inspection des matières fécales humaines, principalement utilisée pour diagnostiquer une maladie. On observe la taille de l'étron, son arrangement, sa couleur, etc. Apparemment, on peut le faire seulement si on a chié avant midi. Sinon, c'est faux. Si vos selles sont noires ou brun foncé, alors vous devez prendre une décision rapide aujourd'hui. Les selles vertes indiquent des turbulences à venir. Et accrochez-vous, si vous avez les selles bleues, oui, bleues, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'erroné. Tu m'étonnes qu'il y a quelque chose d'erroné? Comment tu chies bleu? Tu t'es foutu du colorant dans le cul? Un dérivé de cette pratique fut utilisé par les Égyptiens à l'aide de scarabées. Les scarabées forment une boule avec nos excréments pour les utiliser comme attracteurs sexuels. La vitesse des coléoptères, leur comportement, ainsi que l'apparence de la boule étaient pris en considération pour établir un pronostic ou diagnostiquer une maladie. Dans le même genre, on retrouve la spatolomancie, divination par l'inspection des excréments humains ainsi que de la peau et des os. On interprétait un présage en fonction de l'odeur, de l'apparence, de la consistance et si on y trouvait des graines. Je ne mange pas de graines! Et attention, vous allez vous marrer, il existe une méthode moderne de divination qui permet de lire l'avenir en fonction des fientes qu'il y a sur votre voiture. Si c'est pas beau ça? Et voilà, j'espère que je vous aurai bien dégoûté, que vous étiez en train de manger en regardant cette vidéo et que vous avez bien vomi. Pour la prochaine fois, vous avez le choix entre les 7 péchés capitaux ou la lithothérapie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo à tous vos amis pour bien les dégoûter, me rendre riche sur Tipeee et Utip, et sur ce, je vous dis à la prochaine.